les prochaines législatives déjà dans toutes les têtes. Le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a évoqué lundi l'éventualité de la tenue d'élections anticipées. Pour le chef du parti Israël Beitenu, la situation actuelle, qui veut qu'un tel scrutin soit évoqué et spéculé chaque semaine, paralyse le gouvernement et fait de lui une coalition de compromis et non de décision. Il souhaite désormais officiellement l'organisation au plus vite de législatives et rejette l'idée que cet empressement soit lié à ses ennuis judiciaires. Alors, signe d'impatience ou réelle volonté de faire avancer les choses, quoi qu'il en soit, c'est bel et bien une pression grandissante qu'entend exercer le leader d'Israël Beitenu. En attendant, les sondages indiquent qu'en cas d'élection aujourd'hui, son mouvement conserverait ses 13 sièges à la Knesset. Lieberman le répète, son parti est prêt. C'est une figure du sionisme qui s'est éteinte. Ben-Sion Netanyahou, le père de l'actuel Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, est décédé lundi matin à Jérusalem, à l'âge de 102 ans. Né en mars 1910 à Varsovie, il émigra en terre d'Israël à l'âge de 10 ans, avec sa famille. Après avoir suivi un cursus à l'université hébraïque de Jérusalem, Ben-Sion Netanyahou devient spécialiste du judaïsme espagnol médiéval. Dans les années 1930, il se rapproche des principaux dirigeants sionistes, celui qui fut le secrétaire personnel de Zev Jabotinsky, dont les thèses inspireront plus tard le Likoud, se gardera pourtant d'entrer en politique. C'est son fils Binyamin qui le fera, en revendiquant l'héritage intellectuel et l'influence de son père. L'ensemble de la classe politique israélienne a fait part de ses hommages aux défunts. Les obsèques de Ben-Sion Netanyahou ont eu lieu lundi après-midi à Har HaMenuchot, à Jérusalem. Statu quo autour du nucléaire iranien. Un émissaire de Téhéran a de nouveau exclu tout arrêt par la République islamique de son très controversé programme d'enrichissement d'uranium. Le représentant iranien a toutefois exprimé son espoir que les pourparlers, prévus dans 15 jours avec ce qu'il nomme le chien de garde nucléaire de l'ONU, à savoir l'AIEA, aideront à résoudre les questions en suspens. Des sujets de tension non résolus deux mois auparavant, lors de précédentes négociations. Et au cœur de ceci, le fameux enrichissement de matières fissiles. Les Occidentaux soupçonnent toujours le régime iranien de vouloir le porter à un niveau militaire et d'être ainsi en mesure de produire des armes nucléaires. Lors de ce nouveau round de discussion, Téhéran tentera sans doute une nouvelle fois de gagner du temps. Les bébés éprouvettes, de plus en plus nombreux en Israël. Selon un récent rapport du ministère de la Santé, le nombre de fécondations in vitro ayant abouti à une naissance a très fortement augmenté ces dernières années au sein de l'État juif. L'étude indique qu'environ 25% des traitements ont entraîné une grossesse, tandis que 20% des tentatives ont débouché sur une naissance. En 2010, 4,1% des naissances en Israël étaient ainsi issues d'une fécondation in vitro, contre 2,5% en 1997. Le nombre de grossesses de ce type est passé de 4200 en 2000 à plus de 8000 10 ans plus tard. Pour les analystes, il faut y voir la conséquence des avancées techniques en matière de procréation médicalement assistée. L'illusionnisme s'invite cette semaine en Israël. Plusieurs célébrités internationales du monde de la magie font route pour les côtes méditerranéennes de l'État juif à l'occasion du Festival des Magiciens. Hébergée par l'Association des Magiciens d'Israël qui fête pour l'occasion ses 20 ans, cette manifestation se déroule au théâtre de Holon. Petits et grands y sont conviés deux jours durant dans une ambiance conviviale. Objectif avoué des organisateurs, combler le fossé entre les artistes de rue et les magiciens de scène. Nul doute que la manifestation constituera une fenêtre de choix pour les jeunes talents. Illusionnistes, mentalistes et autres prestidigitateurs devraient rivaliser d'originalité. Rendez-vous est pris pour les 2 et 3 mai.